Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka, Botena Binobanso. Wanzo kuwapenzi, wananchi wote, na wasalimia nyinyi wote. Bana bitu basubwe moyo wenu bonsoir. Bampangi ya Mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Ana lengo, moyanyo, che. Bandeko, tokutani lisusu pona flash informatif ya 10 minutes. Jijo ya procès, ya kamere procès ya 100 jours. Donc, à Koufi, il paraît que Babomiye, ben, il dit, c'est Zali Kola qui ça a été, et Zali Poison. Donc, Zana, communication téléphonique Moko et Outina ministère Moko et Pandeko Gaston. Donc, yé Azali Koye Bisabiso été, Liboumlaye et Bandagi Kovimba, tant Bakomana Centre Nganda. Donc, Azongisaki Molimo et Panzambe. Voilà. Mais les premières sources nous disaient on a tiré sur lui, c'était des balles. Bon, mais des sources concordantes maintenant ont dit que bon, il a fait une crise, voilà, conséquente d'un empoisonnement apparemment. Et normalement, bon, on dit qu'il n'était pas du tout malade. Donc c'est arrivé comme ça, comme quoi ça, c'est une suite des empoisonnements de la présidence, des empoisonnements macabres. Et puis, une des couilles a téléphoné, puis soit Zali Koloba était. Il paraît que Kamerina Batonaye Bazali soupçonné d'empoisonnement à la présidence pendant les voyages du président. Babandagi Koti a poison à long terme, il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, n'a pas climatiseur. Kaka climatiseur oyo ba conseiller oyo il y a quand il y a président de la République Bazala qui occupait ba bureau wana donc ba bureau na bango ça concernait et donc ezali comment nana donc bateau ba koufaki banda wana ti lelo Bazali karabatu il y a quand il y a président donc ba piéja qui na poison ba climatiseur oyo il y a bateau wana. Voilà. Toko tangela bino message wana et outil na politico procédé et puis toko tia ba témoignage ou to zui na téléphone. Voilà. Regardons. Bandeko, Bandeko, Sango Yamawa. RDC. Le juge Raphaël Yani, qui préside le procès de Vital Kamerhe, est mort. Donc, Ezali, rédaction Yalelo, le 27 mai 2020 à 7h22. Donc, à politico.cd. Boyebi, politico.cd, Azalaka, fiable, très fiable même. Flash urgent. Totangi et Komami la français. Le juge qui préside le procès de Vital Kamerhe et 2 autres co-accusés est mort cette nuit à Kinshasa d'une crise, rapportent des sources concordantes. Raphaël Yani Ovongo, président du procès de Vital Kamerhe, aux côtés de l'homme d'affaires libanais Jamal Sami et de Jeannot Mohima, a rendu l'âme cette nuit à Kinshasa. Attendez un peu, excusez-moi. Ah, Ndeko, Ange Kachi là, salut. Oui, salut, comment vous allez? Je vais bien. Vous Nazali allez bien? Nakati, Nazali Nakati à émission. Mais bon, on peut confirmer Ngai Noki Noki. Donc, Oyoki Sango Yaliwa, il y a juge président. Oui, Et yo, oyokeli yango ndenge ni?
Babeti massage la 2 heures. Babeti et massage. Mais awa na politico.cd na moni ba comique ezalaki crise. C'est pas officiel. C'est pas officiel les gens ba source bongo hein. C'est pas oui. Baboyi kaka babomi ko pe cette tension et puis ça agitation té hein. Ni ba sali bongo ko ko avo ko te monter ma porte en plein. Tu as joué encore président c'est bien ya ni té. Ah, c'est pas officiel, hein? C'est pas officiel. Ceux qui m'ont dit que Babeti est ma sœur, si donc peut-être Batou. Parce que quand même, avait bien parlé qu'il va le mettre en fait. Donc, je vais vous mettre en fait. Déjà, quand même, avait dit qu'on appelait Amida, Soraya et puis consort. Oh là là, oh là là, c'est triste, hein? Ma cambozo l'andana, donc, lobby, désordre dans Mbujimayi, na Lubumbashi, na Babiro, ya PPRD, batu ya IDPS, batomboki, lelo lisusu liwa. Batomboki lamuka, na FCC, batangani, po, ba combattre IDPS, non? Donc, ouais, balou la jama, voilà, lamuka, na PPRD. Vous imaginez? Est-ce que c'est vrai ça? Oh là là, oh là là. Ok, merci beaucoup Ndeko. Ange Kachila, ya Tindika TV. Merci beaucoup. Nakobenga yo lisusu, hein? D'accord. Ok. D'accord, ok. Voilà, chers compatriotes, j'étais en contact avec une journaliste de Tindika. Bon, biso toko continuer lecture na biso. Voilà. Il y a le bique, Babeti et Massasi. Bon, ils ont dit information et tozoa ki liboso, mais à partir il y a beaucoup de téléphones. Mosusu à Kinshasa, le bique à Pika qui crise. Ben, mon soubalobi que, bon, Chrisoana et Zali, conséquences et à poison. Bon, c'est selon. Il a piqué une crise vers 1h du matin. Le temps de l'acheminer vers le centre hospitalier Nganda, il n'a pas survécu, rapporte une source judiciaire à politico.cd. Voilà, chers compatriotes, c'est tout ce que nous avons comme information brièvement. Bon, c'est un flash, on va s'arrêter seulement à ça. Alors, bon, pour la COVID, bon Monique, Bato Bazali est belé, 2400 infectés, mais Bato Bazali Kokoufa proportionnellement, mais les amoukés, donc 68 morts, Banda et Bandeli, il y a COVID. 2000 personnes presque Bazali en soins. Et 340 guéris, les amoukés quand même sur 2400. 340 guéris, 68 morts. Bon. De toutes les façons, donc on préférait que na 2400. Bah, guéri base à la même, mais 500 ou 1000. Bon, espérons que le col à Batoubao, Bazali, Kokoufa, Bazali, proportion est amoquée. Bon, voilà. Et ça encourage quand même par rapport à d'autres pays où on a vu beaucoup de morts. Donc, le juge Raphaël Yanni, le juge président du procès de Vital Kamerhe, n'est plus. Voilà, Bandeko. Tosukiwana Sikoyo, Totala Information ya Ndeko Gaston, Yeye, Oyo ya Kinshasa. Pour dissuader tout juge président qui viendrait à ne pas récamérer par peur de mourir lui aussi. Moi, je vois ces deux hypothèses. Ah, Seigneur mon Dieu. Et pendant ce temps,
Nous avons à l'est les Zambiens qui occupent, déjà on dirait qu'ils occupent Moba. Allô? Ça, ce sont des arrangements. C'est là où maintenant, oui, c'est là où maintenant il y a des problèmes avec Kabila. Ça, c'est quand Kabila et son jeune Et son frère Zoé. frère, il pose des actes. Il pose distraire l'autre, quand des vouloirs. Ouais. Aïe, 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 le juge président. Allô, la connexion est coupée. Oh là là. Ah oui, la connexion est revenue. Là, on va reconnecter. Oh là là. Allô? Allô? Ah, ça s'est coupé tout à l'heure, là. Donc, nous avons trois situations maintenant. Il y a le juge président qui serait empoisonné, les signes sont visibles. Il y a la situation de Jean-Marc Kabound qui est destitué, et ce n'est pas encore fini, parce que vous dites que la justice est encore en cours avec le député Jean-Jacques Mamba, que si jamais il était condamné, donc La suite logique. ce qui s'est passé au Parlement ne sera pas considéré. Et puis, troisièmement, il y a cette distraction-là de l'occupation zambienne. Vraiment, c'est... On est en crise, là. C'est ça. Et même du côté RCA, même du côté RCA, ils étaient Oui. en train de monter déjà un mouvement là-bas. Je ne sais pas si vous avez appris dernièrement, on avait surpris un groupe là, un groupe d'hommes armés Des avec Centrafricains, des là, oui. ouais. Qui se Donc dirigeaient on vers voulait, Badolite. ouais. Donc on voulait, et là on parle des Bemba qui seraient également impliqués. Donc ce sont des fronts qu'on ouvre pour distraire l'autre, pour vraiment les distraire. Entre-temps, la Tu dis que présidence ne veut pas. Bemba serait impliqué. Ouais. Entre-temps, vous entendez comment la série des morts continue à la présidence. Bon, quel est ton point de vue là concernant ces morts-là à la présidence? C'est suspect, on n'a jamais vu des morts comme ça en série. Ouais, c'est clair. C'est clair. L'option levier est distraire l'autre, les déstabiliser. Hein, les dépouiller de tous ses collaborateurs, que ce soit des bons comme des mauvais collaborateurs, les déstabiliser d'eux afin de lui faire peur. Ils veulent créer une psychose en lui pour qu'il comprenne que le pouvoir, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut gérer ça. Comme ça, si jamais il se sent tellement traumatisé que monsieur démissionne, ou soit, quand ils vont l'approcher pour une quelconque négociation ou dialogue pour arranger les choses que monsieur accepte. C'est pour les dissuader à ne pas foncer avec son histoire d'état de droit. Et pour ça, comme lui-même aussi, depuis le début, était désintéressé à l'utilisation quotidienne des bureaux, la pratique de venir tous les jours au bureau, il n'avait pas ça en tête. Alors, Camille a eu le temps de mettre en place tout ce qu'il pouvait. On parle de l'empoisonnement des climatisations. Vous savez que le poison par climatisation, il est très efficace. Donc, Oh là on parle de là. 12 bureaux. On parle de 12 bureaux qui seraient empoisonnés par la climatisation. Tout ça, c'est pendant le temps que le président voyageait. Oui. On parle de poignées de porte. Alors, ce sont des choses que les gens ont respirer pendant plusieurs mois. Donc, comme lui-même savait déjà ce qu'il a fait, il l'a certainement fait dans des bureaux bien ciblés. Et
a donné consigne à ses poulains. Tel bureau, il ne faut jamais entrer. Dans tel bureau, il ne faut jamais entrer. Alors, il laisse ces bureaux-là aux gens. Alors, vous respirez le poison pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Finalement, ça vous emporte. Hein. Tout comme aussi, comme il est en prison là, oui. toutes les personnes qui peuvent se faire une petite idée sur son détournement, il peut également s'occuper d'eux parce qu'il est en prison, mais il y a ses poulains qui continuent à venir. Évidemment, il y en a qui sont chassés par la présidence. Et puis, il a un téléphone aussi, mais moi, ce n'est pas les prisons du Congo. C'est bien triste. Ah, est-ce que il n'y aurait pas un spécialiste qui aurait examiné ces climatiseurs-là pour détecter un poison? Bon, ou c'est par déduction? On dit que les DIRCAB intérimaires se chargent de ça. On a même dit que, j'ai même appris que qu'ils avaient décidé d'envoyer les gens en confinement pendant 2 semaines. Oui, j'ai appris ça aussi. Oui, le temps de rester désinfecté et pourquoi pas dépoisonner les bureaux et tout ça. Ou changer tous ces climatiseurs-là. Oh là là. Ouais, moi, j'ai demandé à ce qu'on enlève. C'est comme la présidence de la République. Ils peuvent tout enlever et puis remplacer directement. Ah, mais moi, je crains maintenant. Quelqu'un m'a téléphoné, il dit que il craint que le président aussi ne soit empoisonné par un poison à long terme. Bon, mon frère, vous savez, devenir président, ce n'est pas donné à tout le monde. Et lorsqu'on y devient, tout de suite, on a contact avec ses collègues qui sont présidents depuis, ses homologues qui sont présidents depuis plusieurs années. Oui. Je ne vois pas quelqu'un comme Lourenço laisser Tshisekedi dans l'ignorance. Non. Oui. Tshisekedi est prudent. D'abord, n'oublions pas que Tshisekedi est le fils de son père. Nous savons ce que c'est son père. Mais oui. Hein. Tshisekedi, ce n'est pas quelqu'un que... Du vivant de Tshisekedi, Mobutu, qu'est-ce que Mobutu n'avait pas fait pour l'éliminer? Alors, Félix était là en train d'observer tout ça. Moi, je ne crois pas. Hein. Sinon, il serait déjà tombé ou bien... on allait nous dire non, le président a un malaise, il a voyagé. Moi, je le vois en forme. Quelqu'un qui est empoisonné ne peut pas sortir. Il est allé au cinquantenaire là-bas, il est allé prendre part, honorer, rendre les derniers hommages à son directeur adjoint chargé de la communication. Et il Christian Bossembe. Quelqu'un qui est empoisonné, je ne crois pas. Christian Bossembe nous a renseigné qu'il a été tenté plusieurs fois. Allô? Pardon? J'ai dit que Christian Bossembe nous a renseigné qu'on a tenté plusieurs fois d'éliminer le président, mais plus de 18 fois, on dirait. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, mon frère. Il a un autre niveau. Il est préparé, oui. Oui, il est... Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, tu m'entends? Je disais tel qu'il est là. Oui. Quoi qu'il soit chrétien. Oui, je vous entends. Je disais, tel qu'il est là, quoi qu'il soit chrétien, il aime Dieu, tout ça. Au-delà de ça, Ah, la connexion, tantôt elle passe, tantôt elle ne passe pas. Maintenant, tu m'entends? Oui, j'entends. Je disais ceci. Allô? Oui. Allô? Oui, moi je t'entends. Il est là. Oui, quoi qu'il soit chrétien pratiquant, mais c'est le fils de son père. Son père fut chef coutumier. Il est d'abord entouré des choses coutumières, des protections. Ajouter sur cela
À chaque niveau, il y a des réalités. Ses collègues présidents lui ont déjà montré certaines choses pour se protéger. Tel qu'il est là, il a des conseillers occultes, occultes dans le sens du mot, qui lui montrent aussi, qui voient aussi certaines choses à venir. Quelqu'un comme Kitengeyezu, il est à ses côtés pas par plaisir, parce que c'est un vieux, il est déjà fatigué. Il est là parce qu'il voit des choses. Hein? Il a des conseillers spirituels qui voient des choses venir. Donc, tel qu'il est là, c'est plus quelqu'un qu'on peut voir facilement. Aujourd'hui, au Congo, à l'époque, on disait que non, Kabila était incontournable. Il n'y avait personne pour le contourner. Mais pour le moment, il y a déjà un adversaire. Parce qu'il a déjà suffisamment de moyens financiers, spirituels, pour les combattre. Donc, ce n'est plus quelqu'un qu'on peut avoir comme une mouche, comme c'était il y a quelques mois. Il sait se protéger maintenant. Donc, moi, je ne crains pas pour lui. Et puis, comme il a le soutien du peuple, quand on est avec le peuple, on est avec Dieu. Donc, Dieu ne peut pas le laisser. Tous les jours ici, les pasteurs prient pour lui, les églises prient pour lui. Non, il paraît que lui-même aussi, il prie sérieusement. Ah. Et puis, ne vous en faites pas, même si on l'a empoisonné. Combien de présidents africains se font empoisonner? À leur niveau, là, c'est rien. On peut même couper un organe, on détache ça, on extirpe un organe pour le remplacer par un autre. Un organe abîmé, on coupe, on remplace. Les présidents nigériens, comment il s'appelle encore, le monsieur, là, l'actuel président, il s'était fait empoisonner. Mamoudou, je ne sais pas, Bouhari, quelque chose comme ça. Il s'était fait empoisonner, il est allé à Londres. Il a passé plus d'une année à Londres. Quand il était malade, là, il était empoisonné? Oui, on a remplacé un organe là. Il était empoisonné par les gens des Boko Haram là. Oh là là. Il est allé, on a remplacé un organe important dans son corps. Il est tranquille. Depuis qu'il est rentré chez lui, il n'y a plus de problème. Donc même s'il pouvait empoisonner Félix aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui va mourir comme une mouche. On va les soigner et puis c'est tout. C'est pourquoi je souhaite qu'on aille maintenant avec célérité dans les dossiers Kabila. On est avec rapidement. Si l'audience prochaine peut être la dernière ou l'avant-dernière, ça serait une bonne chose. Comme ça, on les condamne. Ils restent pourrir là-bas en prison. Ils croupissent là-bas pendant des années. Bon, déjà un bon départ. Dis-moi un peu, comme le juge président est décédé là, mais il y a toujours un remplaçant, non, ou un adjoint, je ne sais pas. Oui, mais les informations que je vous ai données concernant sa mort, je les ai reçues de quelqu'un qui travaille là-bas au TGI. Donc, il y a toujours des gens qui se suivent. Il y a tout un ordre permanent, initial. Donc, quand les substituts partent, il y a quelqu'un qui les suit derrière et il sera tout de suite remplacé. Donc, la composition du tribunal sera déjà modifiée. Certainement déjà à partir d'aujourd'hui, comme lui est mort, c'était lui le juge président. Comme il est mort, le président de la cour d'appel, c'est lui qui est censé les nommer, les désigner. Donc, il va devoir désigner un président intérimaire parce que son amel est suspendu, comme je vous ai dit, pour corruption. Oui. Comme son amel est en suspension, on va désigner un autre aujourd'hui qui va remplacer Yanila qui est mort. Et c'est celui-là qui siégera jusqu'à la fin. Ndeko Gaston, mais ces histoires de poison, ça commence à craindre. Est-ce que les futurs conseillers que le président de la République va nommer, est-ce qu'ils vont accepter d'arriver au palais de la nation? Est-ce que, je ne sais pas, ils font tout ça pour isoler le président de la République et faire peur à des futurs. Mais il y a même la sœur là du Dirkab intérimaire là, qui serait décédée, paraît-il. Bon, on parle de poison, c'est une supputation. Il n'y a pas encore d'affirmation. C'est une supputation qu'il y a du poison là-bas. S'il y en a, il y a aussi des antidotes, il y a aussi des produits pour enlever ces poisons-là. Donc, si on nomme des gens, pourquoi ils auront peur d'aller travailler? Ils n'ont qu'à aller rejoindre leur poste. En attendant,
on doit appeler des spécialistes pour rendre utilisables les installations de la présidence. Ça, c'est un faux problème. Il est vrai qu'avec cette série des morts, nous comprenons qu'il y a des gens de mauvaises pratiques qui sont passés, qui ont occupé la présidence. Alors maintenant que cette première composition va partir, si jamais le président chambardait son cabinet. Ah, parce que nous apprenons que beaucoup sont partis. Allô? Allô? Oh, ça se coupe. On va essayer de reconnecter. Allô? Oui, parce que nous avons appris que beaucoup ne sont pas revenus, surtout ceux de l'UNC. Comme tu disais là que... Oui, beaucoup ont été renvoyés, surtout ceux de l'UNC. En tout cas, c'est qui est vrai que nous sommes le pays à sa première expérience d'alternance. Vous savez, toute première expérience a toujours fait des victimes. Ah oui. Il y a toujours des gens qui passent en cobaye et parmi eux, il y a là qui meurt. Donc c'est une première expérience où vous avez un impôt. Un pays où ces choses ont été assez vives, c'est maintenant en pratique, donc il n'y a plus de problème. Nous, c'est une première expérience d'avoir un président, un ancien président vivant, et un président en fonction. Donc, tout ce qui se passe pour le moment, ça fait très mal, parce que c'est une première expérience pour eux. Au deuxième exercice, il n'y aurait plus de problème. Donc, si jamais, comme Kabila, en principe, ne doit plus revenir président, si jamais, tu sais qu'il n'a pas de deuxième mandat, donc on aura deux anciens présidents en vie et un président en fonction. Donc, petit à petit, les gens vont s'habituer. Les pouvoirs sortants de Kabila, les gens qui étaient habitués à faire certaines choses, à donner des injonctions téléphoniques seulement, et ça apporte des solutions à des grands problèmes, maintenant ils trouvent que ce n'est plus possible. Alors, ça leur fait mal au cœur. C'est pourquoi, par moments, ils sont arrogants quand il faut faire des sorties médiatiques. Tout ça, c'est pour exprimer leur colère. Alors, ceux qui sont arrivés, ils n'ont pas encore assez d'expérience. Ils sont victimes de beaucoup de coups, de ceux qui étaient là avant, qui connaissent déjà les rouages. Donc, ça fera des victimes de part et d'autre. Donc, c'est quelque chose à comprendre et à supporter. Heureusement que le président de la République lui-même ne s'agite pas. Il est posé, c'est ce qui est beaucoup plus important. Bon, Deko Gaston, Yeb Sangay. Augustin Kabuya Azalaki, la présidence. Leur Mabunda Ayaki Kota la président. Bon, Nakozonga naye a sali meeting na bande ko ya eu des pesses. Zalaki na ebité bon lumière à vidéo les ola qui sakeza na butu peut-être, c'est pas le très tard le soir. Alobi a ko frappé fort proportionnellement na oyo basali na Le Parlement, ça veut dire quoi? Bon, au moins, il y a des ordres. Hein? Oui. Dans les bilans, il faut que les gens soient utilisés des fois par combattants pour régler les problèmes personnels. Donc, on dit que les gens sont d'après, on dit que les gens sont en train de se a tikama kamwana ya kabunda. Bon, mabunda ke quand même a sali en wato si mukonza mboka te so ikabuya ici so ya solo. OK, il y a pas de problème. Mais ye kabunda o frappé proportionnellement dingini. Alors lokati na ba combattant ba ça a des ordres, non. Là ce n'est pas bon.
Mais quand bon, ils sont libres, quand ils sont bons, quand ils sont normaux, ils sont que le col à Jean-Jacques Mamba, quand on a mis en justice, pour être justice à Monique, le logo Oyo, Jean-Jacques Mamba, sali, et il a entaché dans ma irrégularité. Normalement, ceux qui m'ont condamné hier, pétition en atopé vote et salami pour la déchéance, il y a Kabound, et qu'on a sous la raison d'être dans le parce qu'au compte du Manikambalo Koutate, ceux qui montent à Saïtiango, à quoi ils sont mis devant Bazouzi. Donc, ceux qui m'ont ici, automatiquement, si je suis en train de combattre dans le bala, ils ont arrêté. Parce que l'IDP est déjà parti au pouvoir, et qu'on va t'en rappeler, bah, acte va opposer. Si je suis en train de perdre les raisons, ils ont été. Parce que, bah, on a mis sur la web, on a basé Bélé. Oui, Baza et Bélé, bon. Moi, ça va reconstruire. Aza a besoin de ton gamma et non, et ça a sous détruit. T'as les clients musulmans, pas qu'il y a pas de bureau, il y a pas de PPRD et tout ça, ce n'est pas bon. Sous la raison. Bah, ça l'y en a déjà? Donc, bas à la maîtrise. Bah, panza qui bureau, il y a PPRD là, en musulmans, il va image des amis. Lobby. Donc, bas à la maîtrise, bas à. Ouais. Lobby caca. Bah, ça qui en a lobby. Et puis dans le Bombashi, il va marquer qui va saluer le désordre dans le Bombashi. Mais place où va terrain, ça n'y m'a qu'à 6 ans en Bouchemaï. Donc, si la mort est obé, puis sa raison, ils ont dit, quand moi, ils ont vrai, ils ont que, et là, au Kabunda, ça va qui, ils ont qui bien, on a famille politique, non, parce que, il fallait sauver chef de l'État. Alors, Bangou, non, la Bangou, il y a UDPS, ça n'y peut pas couper pour Balongolaï. C'est quoi la différence? C'est exact. Il y a un acte qui est purement politique. Au Bango, on va saluer les avancées en haut et à Tinate. Alors, pour nous résoudre en haut, nous allons greffer la justice. Parce que la justice, c'est l'eau à ça, les enfondés. Au lieu de l'eau à Mindondo et à Koro. Aïe, 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 vraiment. Allô? Ce que Jean-Jacques Mamba a condamné, c'est que, quand il y a un parlement, il y a un autre, il y a un petit carabongo. Bon, ce petit carabongo est le problème. Il faut que le Congrès ne soit pas en train de faire pour qu'on soit en poste, pour renommer le poste, pour réduire le poste dans l'individu. C'est un poste du parti. Mais oui, hein? On peut mettre un autre. On a un problème, Oyo, c'est parce que les collaborateurs à Kabila, en dehors de Kabila, il n'y a personne d'autre. Les Congolais sont sous soi pour diriger Mbokazan. Mais là, Félix, il y a un azu à Zoukamba. Mais oui. On ne peut pas personnaliser les postes là, il y a premier vice-président à Kabound. Sauf qu'à Longwe, on ne sait jamais peut-être que nous avons épargné dans les Kamoumou dans le poste là. Atika, ceux qui ont condamné Mamba, Atika, le poste est épilé. N'attends rien internet, tout le monde s'en est pas proposition que Kabound le roi Azadur, Azamatat, Azopa, FCC va coquetter, va continuer à comme ministre intérieur. A qui aux place, il y a Super Kankonde, comme ça Kankonde a maintenu la présidence, parce que Kankonde, apparemment, il n'est pas à sa place. A au travail, pentacle. Ah, il est très mou, Kankonde, il est très mou. Oui, va continuer à Kabound, comme ça. Comme Kabound, sous un ministre, sous la responsabilité de la partie, comme il est contesté dans la partie, alors, Balouki Motomosou, sous la troisième belle, bâti comme président intérimaire dans la partie, il a acquéri comme ministre dans le Parlement, va remplacer, il y a beaucoup de têtes, il y a eu des pestes dans le Parlement, va remplacer Yekouna, et puis voilà. Donc, et qu'on résoudre le problème, car on l'a n'a bureau et assemblée et qu'on résoudra au même moment le problème est délai. Mais moi je pense qu'en même temps, Bato va salir que Kabunda Zonga à l'ongwa le bureau va salir mon gars parce que Kabound sens y a militantisme, ils aiment ma casse dans ma kila. Ils aiment ma casse, ils aiment ma casse, oui. Quand Azaki dans le bureau, c'était bien parce que Azaki conseille la casquette naïe à vice-premier président,
azao doser moke. Je me souviens un député simple, mais va salir un regard parce que il va reprendre son poste et à commandant. Il y a pas la troupe et IDP, c'est pour eux. Bah, ça, bah, des autres. Il va continuer à les manipuler pour défendre les pouvoirs du parti. Donc, en les vincent, bah, ça, lui, bah, ça, il va calculer bien. Absence n'a rien à bureau et PC, ce qu'on possibilité, à zone, il a qui militantisme. Et là, c'est dangereux pour leurs adversaires. Bon, dès qu'on a tikio parce que Ngaipe, il faut la kende quelque part. Yo, kokende Moussala? Ou bien, osa déjà dans Moussala? Bon, Bisho Zali, Misala, avec ça, c'est Zavagate, hein? Tout ça, ma Bisho. Ok. Nako benga yo après-midi, vers ba 15h. 15h, c'est possible? Bikambezate, tout ça, ma chômeur, tout ça. Ah, vraiment, parce que. Actualité, Zali Chodena, Makambo Yaliwa, Eye, Komi Bakisa, tout ça. Bon, merci beaucoup, Ndeko Gaston, Toko Kutana. Grand merci pour l'analyse. Hein? Merci. Ok. Voilà, chers compatriotes, Tosuki Wana Ponalelo. Comme quoi, peuple, prenez-vous en charge.